Bonjour à vous NDAO People. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le projet NDAO vient de lancer une toute nouvelle plateforme de NFT, la NDAO NFT Forge. On va pouvoir maintenant créer, minter ou frapper, puis vendre nos NFT sur cette toute nouvelle plateforme. Donc l'avantage évidemment, c'est que le fruit des ventes des NFT, mais aussi les royalties qu'on va toucher chaque fois qu'un NFT est vendu, vont être payés en NDAO. Donc évidemment, la beauté de la chose, c'est qu'on pourra également stocker de nouveaux NDAO dans nos portefeuilles NDAO et toucher des intérêts EAI. Alors, si vous n'êtes pas familier avec les intérêts EAI et les portefeuilles NDAO, je vous invite à regarder les liens dans la description ou alors mes vidéos précédentes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite pour vous rappeler qu'avec NDAO NFT Forge, on peut créer des NFT sans connaissances techniques ou savoir programmer. Donc, on peut vendre immédiatement ces NFT sur une boutique Shopify. L'avantage de Shopify, c'est que vos clients ou vos fans peuvent facilement les acheter avec une carte de crédit et sans se compliquer la vie, vraiment comme sur OpenSea ou d'autres plateformes de NFT. Et aussi, le NDAO NFT Forge permet d'utiliser n'importe quel type de média que l'on veut minter en NFT, donc musique, vidéo, images ou même documents. Donc cette vidéo est la quatrième de notre série de tutos qui nous permettra de créer des NFT sur la NDAO Forge. Et aussi, comment les rendre accessibles à vos futurs clients, amis ou vos fans et followers. Ok, donc si vous connaissez déjà la crypto NDAO, passez à la séquence suivante. Sinon, regardez ça. NDAO est la première monnaie numérique adaptative au monde. En tant que nouvelle catégorie d'actifs numériques, NDAO est optimisé pour une valeur à long terme avec des récompenses de staking et un objectif de portance ou flottabilité sur le marché. NDAO offre tous les avantages d'une monnaie numérique tout en promouvant une gouvernance juste et responsable, une fiabilité et une sécurité accrue qu'on ne trouve pas dans les crypto-monnaies existantes, en tout cas que je sache. Juste le fait d'avoir du NDAO dans son application de wallet NDAO permet de gagner des NDAO supplémentaires grâce aux écosystèmes Ecosystem Alignment Incentive, EAI, ou incitation à l'alignement des écosystèmes, qui est en fait un système de production d'intérêt. Et en plus de ça, il est possible d'ajouter un bonus supplémentaire quand on bloque du NDAO pendant une durée déterminée. Par exemple, on peut gagner 13% de NDAO sur un compte bloqué pendant un an dans un portefeuille NDAO. Donc, la dernière fois, on a connecté notre portefeuille Busy à la nouvelle plateforme de NDAO NFT Forge. Donc aujourd'hui, on va mettre en place notre boutique en ligne Shopify pour pouvoir permettre à nos clients, amis ou followers d'acheter nos NFT fraîchement frappés ou mintés. Donc si vous avez déjà une boutique Shopify, évidemment, vous pouvez ignorer cette étape, cette vidéo et passer directement à l'étape 5 dans la vidéo suivante. Sinon, je vais vous la faire comme si je bossais pour eux en fait. Dans ce tutoriel Shopify, nous allons vous montrer tout ce que vous devez savoir pour créer une boutique Shopify du début jusqu'à la fin. Donc Shopify, c'est une plateforme de commerce qui permet à quiconque de créer une boutique en ligne et de vendre ses produits. C'est la principale plateforme de commerce conçue pour les entreprises, quelle que soit leur taille, que vous vendiez en ligne, sur les réseaux sociaux ou en personne. Et Shopify vous assiste sur toutes les bases et vous facilitera la vie. Avec Shopify, vous pouvez vendre des produits physiques ou numériques tels que les NFT en utilisant le NDAO NFT Forge. Donc maintenant que vous connaissez la plateforme, au boulot. Vous avez deux options. Suivre le tuto du site NDAO, je vous mettrai le lien dans la description, ou le faire en version minimaliste et mettre en place votre boutique juste suffisamment pour pouvoir passer à l'étape suivante et minter vos NFT. Donc, dans le cas où vous avez choisi la deuxième option, voilà. Alors, allez sur le site de Shopify et assurez-vous d'entrer avec le lien qui indique la période d'essai de 14 jours. Donc, suivez les instructions. Entrez une adresse mail, choisissez un mot de passe et donnez un nom à votre boutique. Ensuite, il vous demande quelques renseignements, puis votre adresse, d'autres infos, rien d'exceptionnel en fait. Et en fait, ben voilà, votre boutique est déjà prête. Donc ensuite, cliquez sur « Choisir un plan ». Prenez le moins cher, hein, vous aurez 10 jours pour annuler si vous n'êtes pas satisfait ou si vous avez fini d'utiliser la plateforme, tout simplement. Et en fait, voilà.
Donc évidemment, si vous voulez créer une boutique officielle, bien tenue et tout, vous pouvez aussi suivre les tutos en ligne sur la mise en place formelle d'une boutique ou alors utiliser une de ces extensions qui sont ici pour accéder à des services et fonctions spéciales sur votre boutique. Et là, vous avez vraiment tout le package, le truc bien tenu, le petit site bien propre, la boutique officielle. Mais bon, c'est pas l'objectif de ce tuto. Donc notre objectif aujourd'hui était juste de préparer le terrain pour pouvoir minter nos NFT avec la NDAO NFT Forge, et en fait c'est fait. Donc alors on se retrouve bientôt pour la vidéo suivante où je vous montrerai comment connecter votre boutique Shopify avec votre Forge NDAO NFT. Mais avant de partir, aidez ma chaîne s'il vous plaît et cliquez sur like, aussi abonnez-vous et on se voit très bientôt pour la suite. À plus!